pense que je dirais bonjour et merci, chers compatriotes, hommes, femmes, enfants, qui croyaient en moi. Je pense que je prendrais quelqu'un comme Coluche ou l'Abbé Pierre, parce que c'est des gens qui sont généreux et qui aiment donner de leur personne. Mais bon, ils sont morts, mais je pense que j'irais plus dans ce type de personnes-là. Il y a une loi que je ferais passer, c'est par rapport aux gens qui sont sans-abri, parce que je trouve ça quand même malheureux de voir des gens, que ce soit hommes ou femmes, dans la rue. Je pense que j'essaierais de trouver un système pour que les gens qui n'ont pas de moyens puissent être dans un foyer ou quelque chose du genre, mais pas dehors, je pense. Ça, c'est facile, ben, j'irai à Mayotte déjà. Et je pense que je ferai tout pour construire des infrastructures sportives parce que là-bas, c'est pas trop développé. Et j'aimerais que ça se développe. Ouais, Barack Obama. Ouais, c'est vrai que Nelson Mandela, mais bon, il est plus là aussi. Mais ouais, si, je pense que c'est des personnes que j'aimerais rencontrer. Oui. Parce que c'est des gens qui ont du charisme, qui ont, comment dire, c'est des personnes importantes quand même pour nous, les Noirs. Donc, à ma mère, bon, je vais pas dire mon père parce que c'est pas lui qui m'a accouché, mais bon, même si c'était un demi-père, mais moi je pense que ce serait ma mère, enfin, peut-être mes parents. Mais... ben oui, parce que s'ils ne m'auraient pas fait, je serais pas là. Hein. Moi j'ai envie que les gens soient solidaires, qu'ils partagent. Et, je pense que les gens qui ne seront pas comme ça, ben, je pense que ce sera vraiment les dernières personnes que je recevrai, même je pense que je les recevrai même pas.